Non. Jingle. Allez, corde. Moi, je fais ça. Si tu veux. 2 minutes 10. Gagne du temps pour pas te faire engueuler par Anthony. Top, c'est parti. C'est ça. Et quelques petites pompes. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 10. Les bras. Et ben. On part sur un gainage classique de planche, mais qu'on va faire pendant 2 minutes. Bon, je garde un tout petit peu de récup, hein, quelques secondes. Et 2 minutes de planche, stop, c'est parti. Ah, qu'est-ce qui est en retard? C'est Ayoub. J'arrive à les faire sur les genoux des ponts. C'est pas plus facile. Allez, mets-toi en position de pompe. Pose tes genoux. Lève tes fesses. Recule tes genoux. Recule tes genoux très loin. Voilà, et là tu fais des pompes comme ça. Plus facile. Ouais. Tes bras. Lève tes fesses. Lève sur l'air tes fesses. Lève sur l'air. Sur le bas des fesses. Faut que ça passe tout droit. Toi, c'est comme ça là. Attends, tu poses, et en fait, tu restes encore en l'air. Voilà. Ça, c'est un peu plus facile, mais c'est pas facile. Enlève ça. Enlève ça, deux fois. Faut pas que tu m'en mettes au fil du gainage.
top, posé. Allez, gips, pour continuer l'échauffement. C'est parti. 1, 2, salut Youb. 3, 4, 5. 10. 20. On pose quelques abdos que l'on va faire jambes tendues comme si on faisait une chandelle. Alors, je vais assez loin. Voilà. Je vais remonter un peu mon truc. Hop. Là, je me mets comme si j'allais faire une chandelle mais sans les mains. Je pousse, je ramène. Je pousse et je ramène. Il ne faut pas descendre les jambes trop bas. Regardez les jambes tendues dans l'idéal du début à la fin. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poussez bien sur les épaules. 10. Et 30. Et on osse. Pendant qu'on n'a pas fait cela, ils sont bien. Allez, Youb, debout. Section, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Allez, deuxième tour, vous avez le choix, soit corde, soit shadows, comme on fait maintenant depuis le mois de mai. 2 minutes 15, attention. Debout, Charlie. Top, c'est parti. Allez, donc on va en faire 20, on va en faire 21 pompes. Les pompes, vous commencez une pompe main serrée, une pompe normale, une pompe très écartée. Donc ça fait 3 pompes différentes, donc au total combien de fois?
7. Viens, Anthony, avec un qui suit, fais plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 21. Allez, attention. On démarre serré. Tout ça, Charlie. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 et 2. Et on pose. Gainage latéral, on fait 1 minute 15 de chaque côté. Allez, ça marche. Attention, gainage latéral, plus dur. Top, une 15 de chaque côté. Donc là, pensez à autre chose. Par exemple, l'inscription à l'Assemblée générale du 4 juillet par Doodle que vous avez tous reçu. Vous pouvez penser à jeudi prochain. Je vous demanderai tout à l'heure de savoir si vous préférez qu'on continue en Zoom ou qu'on passe en extérieur avec du contact. Et c'est autorisé à partir du 9 juin, donc à partir de mercredi prochain. Je ne vous cache pas que moi, je préférerais rester en extérieur sur les mêmes horaires ou des horaires différents. Préparez-vous bientôt à changer. Changez. Top, posé. Passe au dips. Pareil, bien facile. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Abdo crunch classique. On s'enroule doucement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Allez, 80.
Redressez. Allez, pour les jambes, on part sur flexion normale, fente avant de chaque côté, et ensuite on fera des extensions de mollets, on en fera 20. On fait 10, 10, 10 et 20. On commence classique, Charlie, pousse-toi. Par des flexions, demi-squat, soufflez bien, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, fente avant, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Change de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Extension de mollets, vous faites des petits sauts hein, sur place en poussant fort sur les mollets. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10 encore. 1, 2, 3, 4, et 20. Posez. Allez, troisième tour. 2 minutes 10. Corde ou shadows. Top, c'est parti. Allumez Marois au boulot. Pardon, je vais y arriver. On finit par 10 pompes normales et 10 pompes claquées. Vous avez du mal à faire les pompes claquées, vous faites les pompes claquées sur les genoux ou alors des pompes surélevées. Vous poussez le plus fort possible pour décoller les mains du sol. Et moi, je vais voir que j'ai une entorse au pouce, donc je ne sais pas comment je vais faire. Mais 10 pompes normales suivies de 10 pompes claquées. Et attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Claqué, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Gainage, on va partir sur les fessiers. Quelques semaines. Fessiers et cuisses, on est sur 1 minute. Comment on va faire ça? 2 minutes. On part sur 30 secondes par jambe, 2 fois. Donc on se positionne en demi-pont. On tend la jambe. Et top. Je vais pas me tomber dessus, Charlie. Ah, mais j'ai pas d'armure, stop.
Charlie, là, Charlie, moi, je suis en cours, je ne veux pas t'entendre. Top, changer. 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 Dernier. Posé. Allez, dips. On en fait 30. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. 30, peut-être 40, je ne sais plus si j'ai bien compté ou pas. On part sur les abdos, on part sur les obliques. Obliques, on va partir redresser pour l'instant. Hop là, les jambes sont levées, on touche de part et d'autre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10. 20, relâchez, vous laissez les pieds à l'extérieur, enfin en dehors du tapis, là vous ramenez la jambe droite 10 fois sur l'épaule, que la jambe droite, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la jambe gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20, mettez les mains sous les fesses. Et là, on part, jambes tendues, on frôle le sol et on lève. C'est parti. 1, 2, normalement, ça ne doit pas faire mal au dos. 3, 4, 5, 6, ne levez pas trop. 7, 10, 20. On redresse. On part sur une minute de gainage pour finir tranquillement. Pas tranquillement, pour finir. Enchaîne évidemment. Touche. Hop, c'est parti. Thank you.
Poser. Ouh. Étirement, on va changer un petit peu de type d'étirement, enfin d'ordre d'étirement. On étire, on va recommencer les adducteurs. Posez les deux mains au sol, tendez une jambe. Maintenez tranquille. Changez de côté. Ramenez les jambes, on passe debout. La jambe arrière réfléchie, jambe avant tendue. Les mains derrière le dos, on descend doucement. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Deux mains sur le genou. Appuyez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 30. Deux mains vers le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 40. Redressez. Changez de côté. Là, au niveau des lombaires, appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur le genou, appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Et deux mains vers le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 40. Et on redresse. C'est bon, hein. Allez, langue gauche devant, fléchissez. Ah, il y en a qui s'est déconnecté, là, qui sait ? Qui m'a lâché là, encore Stan ? M'étonne pas. Allez, on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Décollez le talon, mettez les deux mains au sol. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Changez de côté. Placez-vous doucement. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Posez les mains au sol, décollez le talon. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Passez en écart. Glissez, glissez, glissez. Allez, passez les pointes de pied vers le haut. Hop, asseyez-vous doucement. Maintenez. Appuyez. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9 et 10. Allez, reculez doucement, ramenez les jambes. On fait une bonne flexion. On passe debout. Je vais vous déconnecter. On se reconnecte dans la foulée ou dans les deux minutes, on va dire à peu près. Et, parce que c'est peut-être le dernier cours en Zoom avant un petit moment, c'est vous qui allez continuer un petit peu la suite du cours, c'est-à-dire que vous allez réfléchir à un enchaînement que vous voulez faire travailler aux autres. C'est moi qui parlerai et qui le ferai à votre place. Hein. Mais vous réfléchissez à un enchaînement, soit que vous aimez, soit que vous voulez travailler avec au minimum donc deux coups. Ça peut être que des coups de poing, que des coups de pied ou autre chose, hein, mais on va dire... quelque chose que vous aimez faire, que moi je vais refaire donc là à votre place, pour que voilà, le cours soit participatif. Si vous n'avez rien, je vous trouverai un truc, ne vous inquiétez pas. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Salut Ben. C'est qui me dit salut? Ah, il me semblait, oui. Non, je ne l'ai pas. Ouais. Et vu qu'on s'était déjà vu, je sais pourquoi il me dit salut. Hein. Et, salut Guillaume. Ça va depuis deux minutes. Impec. Ouais. Tu m'entends ou pas, Stan? Ouais, c'est bon, je t'entends maintenant. Ah, super. Donc, pendant la pause, pendant que vous l'endouillez, là, j'ai demandé à tout le monde de réfléchir à un enchaînement pour que le cours soit participatif, qu'on puisse faire. Vous êtes quatre enchaînements dans l'idéal que vous voulez faire, que vous voulez faire aux autres, voilà, pour aussi faire autre chose. Voilà. Donc, tu réfléchis à un petit truc, Stan, en espérant que tu m'aies entendu jusqu'au bout parce que le. Pour moi, là, ton écran, là, il bug. Et on va commencer au hasard par l'enchaînement d'Anthony. OK. Donc, ça sera un coup de pied de face pour stopper l'adversaire, suivi d'un direct arrière. OK. Un crochet avant. Et un mid-kick. Voilà, droit, arrière. Tu veux le faire pareil ou c'est moi qui m'y colle? Non, vas-y, vas-y. Jusqu'à montrer Anthony. Donc, on commençait avec un high kick jambe avant. Non, je déconne. Non. Coup de pied de face. Coup de pied de face. Hein, un coup de pied d'arrêt. Un coup de pied de face. On pose. Direct du bras arrière. Crochet du bras avant. Et coup de pied circulaire moyen. Donc, de la jambe arrière. 10 doucement, 10 rapidement, on démarre à la cool, je parle à chaque fois pour vous aider à démarrer. Allez, c'est parti. Ah, allez, coup de pied gauche, on pose. Direct droit, crochet gauche, middle droit. Et on se replace. 2, coup de pied de face gauche, direct droit, crochet gauche, middle droit. 3, coup de pied de face, direct, crochet, middle, tout en croisant. Allez, 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. On démarre sur le rapide, attention. C'est parti. Allez, 1. 9, 10, changez de côté, on démarre doucement, c'est parti, allez, 1, coup de pied droit, on pose, direct du gauche, crochet droit, et middle, jambe gauche, on se replace, 2, coup de pied de face droit, direct du gauche, crochet droit, middle gauche. 3, coup de pied de face, direct, crochet, middle et Ayoub et Barrois. Hop là. 4, allez, 1, boum, boum et boum. 5, 6,
10. Rapide, attention. C'est parti. Allez, 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. Ouh, tu verras quelques secondes. Un petit enchaînement, toi, Guillaume ? Que des points. Ouais, très bien. Marrant, je suis cuit. Ah. Avec le micro, ça sera mieux. Enchaînement vraiment classique. Direct avant. Crochet, uppercut, tout simple. Super, ouais. Direct avant, crochet bras arrière, uppercut bras avant. Ça marche, facile. Ne vous faites pas piéger, attention. C'est un enchaînement qui n'est pas très compliqué à faire, mais faites bien des coups secs. Ne faites pas le piège de faire… Enfin, sur le premier, c'est un grand mouvement, on tend bien le bras. Hein, le deuxième, ce que je peux avoir, c'est un grand crochet, un grand uppercut. Hein. Faites pas des petits mouvements, on tourne. On fléchit le bras juste au dernier moment. Et pareil pour l'uppercut. Ne faites pas des grands mouvements très larges. Hein, ou bien sinon, ça va ressembler à ça. Des trucs comme ça. Hein, sur le lent, ça va faire ça. Puis sur le rapide, ce sera pire. Je démarre bien doucement. N'hésitez pas à vous mettre face à votre caméra, justement, pour pouvoir vous corriger. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je le mets en face pour me voir et pour vous voir. Et j'ai un miroir en face de moi pour ça aussi. Hein, sur le côté, pour me voir sous différents angles. Allez, on démarre doucement. C'est parti. 1, allez, direct gauche, crochet droit. Uppercut. 2. Direct, crochet, uppercut. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Hop là, rapide, attention. C'est parti. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Je garde. Attention. C'est parti. Doucement. Allez, 1. Direct droit. Crochet gauche. Uppercut droit. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Le rapide, attention. C'est parti. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Vous faites 30 secondes et on écoute ensuite Vanessa. Alors, je ne suis pas très, très douée pour ça, moi.
Est-ce qu'on peut faire, par exemple, deux coups droits, enfin, gauche-droite, et après, au niveau des jambes, faire deux coups avec la jambe gauche, enfin, quand ce sera à gauche, un à mi-hauteur et un plus haut pour travailler un peu les adducteurs. Ouais, en reposant ou sans reposer On repose juste un peu, on reste sur le même appui, on relève plus haut, en fait. Ouais, ça marche. Ouais. Bon, merde, bon, pour ceux qui ont une connexion douteuse, enfin, pour Stan seulement. Hein. Hop là. Direct du gauche, direct droit. Voilà. C'est une middle et high kick, c'est ça? En milieu, en haut? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, voilà. Gauche, droite, middle gauche, et puis high kick gauche. Voilà, ou en tout cas, deux hauteurs bien différentes selon la souplesse de chacun. Allez, préparez-vous. C'est parti. Allez, un. Direct gauche, direct droit, coup de pied gauche encore. Deux. Point, point. Coup de pied gauche, coup de pied gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapide, attention. C'est parti. Allez, 1. 2. 5. 6. 8, 9 et 10. Changer de garde. Attention. C'est parti. Allez, 1. Direct droit, direct gauche, middle droit, high kick droit. Ça, c'est vous. 2. Direct, direct, coup de pied droit, coup de pied droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapide, attention. C'est parti. Allez, 1. Allez, les enfants. 2. Les enfants se sont propres. Hein. 3. 4. 5. 6. 8, 9 et 10. Oh le malin! Oh le malin, Stan, il s'est déconnecté juste avant que ce soit lui. Oh le fumier. Là, il était jusqu'à 7. Ah non, il revient. C'est une blague. T'entends, Stan? On entend. Tu m'entends, Stan, ou pas? Bon, je sais pas s'il m'entend. On va enchaîner. C'est moi qui prends le relais. Je dépasse trop. Alors, là, je suis en garde. En fait, moi, ce que je vais vous faire, je vais vous donner le début d'un enchaînement. Et ce sera à vous ensuite de faire ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas d'importance. Là, ce que je veux, c'est qu'il y ait au moins, enfin, faut qu'il y ait au moins des coups de poing et des coups de pied à chaque fois. Et on va démarrer avec un blocage ou une esquive de coups de pied de face.
On imagine que j'ai un coup de pied de face qui arrive donc au niveau du corps. Soit je vais venir chasser sur le côté en faisant faire une parade avec le bras opposé à la jambe qui arrive. Soit ce sera un mouvement de défense un peu plus puissant avec le bras et du même côté, généralement plutôt pour rentrer en point. Ou alors je vais venir faire une esquive, je pars un petit peu en arrière. Et puis là, généralement, je reste loin plutôt pour arriver en jambe. Ça peut être aussi également esquiver pour venir faire une saisie et une projection. Mais je veux qu'il y ait dans l'idéal un mouvement de défense donc sur un coup de pied de face que l'on imagine recevoir. Et si on fait une saisie, on fait une projection, évidemment, il n'y a pas de percussion, mais dès qu'il y a des percussions, il faut qu'il y ait au moins, au minimum, un coup de poing et un coup de pied. Lise doucement, lise rapidement. T'es prêt, Ayouba ? T'es prêt, Ayouba ? Ayouba ? Hello ? T'es prêt ? Ben, pose ton truc, alors. Pose ton truc par terre. Voilà. Allez, attention. Allez, un. Bloqué. Enchaîner, enchaîner. Deux. Trois. Attention. C'est parti. Allez, 1. 2. 4. 5. Stan est revenu ou pas? Ouais, tu m'entends Stan ou pas? Est-ce que tu m'entends Stan? Est-ce que Stan, si tu m'entends, tu as un petit enchaînement à nous faire faire? Ton micro n'est pas désactivé Stan. Est-ce que tu m'entends ou pas, Stan? J'essaye en anglais. Stanislas, do you have any combos to propose us? Ça marchera peut-être mieux. Ah, il se marre, donc il entend. Il entend. Il entend, il fait semblant de ne pas pouvoir répondre. Allez, je vais faire l'enchaînement de Stan, parce que je sais ce qu'il va vous faire. Enchaînement de Stan, regardez bien. Lâchez ici. Là, je suis en garde. Je vais venir envoyer un direct avec mon bras gauche. Je vais venir suivre ensuite avec mon coup de pied intérieur avec ma jambe droite. Direct, je suis ici et tout de suite, je vais venir poser avec un coup de pied circulaire à la tête et je repose avec un direct. On se refait là, ça fait 4 coups, c'est toujours en croisant, hein, gauche-droite-gauche-droite. Direct du gauche, je vais venir taper avec le tibia, enfin avec le dessous du pied au niveau du tibia. Je repose, je repasse en arrière, en même temps que je retransfère mon poids. J'essaie de mettre un high kick jambe avant, je pose, ping, et je mets un coup de poing direct du bras arrière. Allez, passez-vous doucement. Le deuxième coup qu'on fait relativement peu souvent en sanda, soit vous l'armez un petit peu puis vous tapez dans le tibia, soit vous pouvez le faire glisser, tendu, comme vous voulez. Moi, je le fais plutôt glisser. Pour ne pas me faire mal si jamais l'autre avance son genou, par exemple, ça heurte avant. Allez, c'est parti. Fais 0 point. Allez, direct du gauche, coup de pied droit, high kick gauche, on pose, direct droit. 2. Direct gauche, coup de pied droit, high kick gauche, direct droit. Allez, 3. 4.
9. 10. Rapide, attention. Essayez de faire, c'est pas facile, un rapide entre les deux coups de pied. Vraiment taper le haut du tibia, pam, et enchaîner tout de suite, parce que c'est là qu'on peut se faire contrer généralement. Attention. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Changer de garde. Attention. C'est parti. Allez, 1. Direct du droit. Coup de pied glissant, jambe gauche. On vient en arrière. High kick du droit, on pose. Direct du gauche. On se replace. C'est parti. 2. Direct. Coup de pied glissant. High kick droit. Direct du gauche. 3. Direct du gauche. Direct du droit, pardon. Coup de pied gauche. High kick droit. Coup de poing direct du bras gauche. 4. Direct. Pied. 5. 9. 10. 10. Rapide, attention. C'est parti. Allez, 1. 9. 3. 4. 5. 6. 8. 9. Et 10. C'est bon. Allez, je vous laisse passer en grand écart. Pointe de pied vers le haut, asseyez-vous. Allez, passez sur une jambe. Passez à droite. Passez de l'autre côté. On va passer devant encore une fois.
Allez, repoussez-vous doucement. Amenez les jambes à la coule. Je vais rester au sol pour les quadriceps. Vous pouvez vous mettre debout hein, comme vous voulez. Là, moi, j'aime bien celui-là. Un peu fatigué. Hop. On saisit le pied de main. Tirez fortement. Cherchez à vous redresser. Il faut être bien droit entre le buste et plus vous penchez, moins ça va étirer. Et relâche. Vous voulez changer de côté ? Allez, on relâche. On va étirer un petit peu les mollets. Je vais vous mettre contre un mur. Une jambe en flexion, une jambe en extension. C'est bien. Changez de côté. Et on relâche. Et je vais vous laisser vous remettre en place. On le salue. Tu n'as pas fait le deuxième mollet ? Si, j'ai dit changer. Ah, ok. Si, ou la, les autres ont changé ou pas ? Oui. Ah oui, d'accord, ça me semblait bien. Avant de vous dire bonne soirée et à samedi, parce que je sais que vous serez nombreux sur le stade, qu'est-ce que vous pensez la semaine prochaine ? Donc à partir de mercredi, on a le droit de reprendre les cours en extérieur pour les adultes avec du contact. Donc les cours comme on faisait avant en salle, mais là ce sera en extérieur pour l'instant. Et ça reviendrait après en salle avec du contact à partir du 30 juin. Et j'ai l'accord de la mairie pour garder la salle un certain temps s'il y avait besoin l'été. Mais voilà, est-ce que vous seriez prêts, pour ceux qui sont un petit peu loin, donc à vous déplacer le mercredi ? Alors, ça peut être à cette horaire-là ou un petit peu plus tard, comme on faisait même limite revenir sur les mêmes horaires que l'on avait avant. Moi, ce n'est pas un souci. Mais au stade, du coup, avec du contact pour que ce soit un peu plus rigolo que qu'en Zoom à faire des pompes et des machins. Quoi. Stade Espinassou ? Non, le stade de Cholette, qui est à côté. Okay. Qui est à... Il est à la même distance, mais de l'autre côté. D'accord. Il est en plus abrité si jamais il y a un souci, quoi. Bah, pour moi, oui. Après, ça dépend de mes heures de débauche, mais je préfère plutôt que 20 heures, perso. Moi, pareil. C'est plutôt 18h30. Ouais, le temps de faire la route, ouais, 18h30, ce ne sera pas moins, parce que sinon, ça va être… Ouais, c'est pas trop non plus. C'est que vous êtes sûr tous de débaucher à, enfin, pour être… Pour être en cours pour cette heure-là, quoi. Ouais, moi, débaucher après 18h, ces temps-ci, ça va, ça m'arrive pas trop. Ouais, Vanessa, que tu penses hein ? Ah ben, moi, je débauche à 17h30 tous les soirs, donc il n'y a pas de souci pour moi. Okay. Une fonctionnaire. Une. J'ai rien dit. Non. Stanislas ?
On est à jour. On t'entend pas, Ben. C'est trop long. Tu fais exprès. Ah bah non, là, non, là, c'est que je parlais pas. C'est que j'attends en fait Stan. Ouais, tu m'entends, Ben? Ah, je t'entends super. C'est con parce que je voulais mimer ta voix, là. Bon, 18h30, ouais, ça me va, moi aussi. Ok. Bon, je vais renvoyer un mail aux gens quand même, parce que je ne vous cache pas que normalement, les gens, ils ont signé un pour l'année pour un cours un petit peu plus tard. Mais rien n'empêche de faire, par exemple, ce cours-là à 18h30. Et puis, ben, pour ceux qui veulent plus tard, de rajouter un autre cours après 20h. Hein. Moi, c'est mon métier, donc je peux faire deux cours d'affilée. Hein. C'est pas un souci. Mais oui, si tout le monde est OK pour 18h30, moi, je préfère aussi plutôt que, voilà, que trop tard. Ça marche. Cool. Okay. Donc, on se cale sur 18h30. Et puis, de toute façon, si jamais il y a une modif, un truc, un machin, je vous recontacte. OK. Ça marche. Allez, merci. Bonne semaine. À samedi. Ciao. Salut.